4 mois et demi qu'il attendait ça, depuis Paris-Nice. La semaine dernière, Thibaut Pinot fait sa rentrée sur la route d'Occitanie. Quelques minutes avant l'étape Rennes, le Français monte en pression. Car il va savoir, enfin. Personne ne va savoir vraiment comment on va réagir sur, sur le premier effort de la deuxième partie de saison. Donc voilà, il y a un peu de stress quand même ce matin. Ouais. Ce que je veux ce soir, c'est voir que je suis dans l'allure avec les autres favoris du Tour. Dans le col de Bayred, finale de la grande étape des Pyrénées, Thibaut Pinot est l'un des derniers à résister à l'armada Ineos. Mais le Français coince légèrement à moins de 2 km de l'arrivée. Incapable de suivre l'accélération d'Egan Bernal, il limite les dégâts et finit à 31 secondes du dernier vainqueur du Tour. Je me suis senti quand même pas trop mal, je suis quand même content, il me manque pas grand chose, il manque un petit chouïa pour basculer avec les Ineos, donc c'est dommage, mais je suis quand même rassuré. La condition est top, mais pas au top, donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que je vais encore progresser jusqu'au Tour, et l'important c'est de ne pas être à 100% ici. Ouais. Je n'ai pas besoin d'être rassuré, Pinot c'est un coureur qui est sérieux, professionnel, appliqué, qui a du talent. Donc à partir du moment où on arrive à gérer les situations et qu'il n'y a pas d'anicroche, tout va bien, hein. Moi j'ai pas de doute là-dessus et j'avais pas besoin d'être rassuré. Thibaut Pinot n'est pas encore à 100%, mais il est dans les temps. La preuve le lendemain, sur une arrivée pour Puncher, il termine 3e avec le vainqueur du dernier tour. En septembre, les deux hommes ont à nouveau rendez-vous. Pinot, c'est sûr qu'il n'est pas à 100% ici. Ce sera un autre Thibaut sur le Tour de France. Et comme toujours, c'est un coureur à surveiller, parce qu'il est vraiment punchy. Mon but, c'est de l'embêter le plus possible. Donc hier, il était un cran au-dessus. Mais j'espère que ce cran sera, au fur et à mesure du Tour de France, va rétrécir tout simplement. Après, est-ce qu'il va progresser, on ne sait pas, c'est sûr. Mais moi, je sais en tout cas que moi, je vais progresser. Et c'est ce qui est le plus important. Cette semaine, sur le Dauphiné, Thibaut Pinot va passer un test important face à Egan Bernal et surtout face au Jumbo-Visma de Primoz Roglic, l'autre grand favori du prochain tour.